L'installation que je présente pour la résidence vidéophonique est une installation que je réfléchis depuis déjà 2 ans, que j'ai nommée Time is Everywhere. Le temps est partout. Donc c'est une histoire de durée, c'est une histoire de temps, c'est une histoire de climat, des choses qui nous environnent à l'aide d'une station météo. Les données climatiques sont récupérées pour modifier un son. Voilà. Et donc l'installation elle-même, elle se concrétise par une multiphonie. Donc le son qui est généré par les données climatiques est envoyé dans cette petite pièce, la piscine, parce que la station météo n'est pas dans la piscine. Elle est à l'extérieur du CCO, là où on est actuellement. Donc je récupère toutes ces données et je spatialise le son modifié. Pas modifié, mais en tout cas modulé par les données climatiques. Le but de la station météo, c'est d'être, on va dire, en temps réel. La modulation du son qui se fait par la température, par la barométrie, par la lumière ambiante, la quantité de lumière ambiante, par la vitesse du vent, par la direction du vent. Toutes ces données-là sont inscrites dans mon programme pour pouvoir moduler cet espace sonore. Le but, c'est déjà moi aussi de me confronter à ce que je fais et effectivement d'avoir un retour du public sur ce que j'ai fait et en discuter et voir eux ce que ça leur a apporté, quelles questions ils se sont posées. Donc moi, ça me nourrit aussi là-dedans. J'ai plein de fantasmes sur cette résidence et sur ce projet. C'est de poser la station météo à un endroit fixe quelque part dans le monde. Que cette station soit autonome en énergie. Donc qu'il y ait des panneaux solaires. Elle est posée à un endroit quasiment inaccessible du public et elle capte les données en permanence, elle les envoie sur le net en permanence. Avec l'idée de faire un concert permanent du temps, de la temporalité, comme chef d'orchestre.